à tous. Je vais vous expliquer ce qu'est une aire de départ. Une aire de départ, c'est la zone sur laquelle je me trouve, cette zone tondue ras, comme un fairway. Et c'est la zone sur laquelle on va entamer chaque trou de la partie. Mais on ne peut pas démarrer n'importe où. Il faut démarrer entre ces deux boules. Mais c'est pas si compliqué. On a quand même plus que cette petite zone pour démarrer. On a le droit, des deux boules, de se reculer d'une distance de deux clubs. Je m'explique. Vous prenez une ligne perpendiculaire aux deux boules. Vous prenez votre club. Vous reculez. Et en fait, ça forme un rectangle, comme ça. Et vous pouvez démarrer n'importe où de ce rectangle. Voilà, ça c'est votre aire de jeu pour démarrer la partie. La balle doit se trouver dans cette aire de jeu. Ça ne veut pas dire que votre corps doit lui aussi s'y trouver. Je vous montre. On peut mettre la balle sur le tee dans le rectangle qu'on a défini, mais mon corps, lui, peut être à l'extérieur. Là, je suis en jeu, tout est légal, je peux jouer au golf et je peux taper. Bonne partie! Alors, prêt à affronter le parcours?